Ah, on a un taf de malade aujourd'hui, des histoires. Masechet Chagiga, Daf Tet Vav. Allez, Bedrat Hashem, les amis, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Tet Vav de Masechet Chagiga, Ashiur Leilui Nishmat, Moshe Ben Rachel, Gad Ben Esther. Merci beaucoup, Jean. T'as mis un petit truc, quoi, un petit. Même tac. Ashiur Leilui Nishmat, Oledeya Ben Chana, Gad Ben Esther, Oledeya Ben Chana, Gad Ben Esther, Moshe Ben Rachel, Mordechai André Ben Rachuna, Anarlet Ben Rachuna, et Eliaou Ben Marie. Alors on y va. Alors les amis, Reuven ben Juli. Reuven ben Juli. Alors nous dit la Gemara. Tanou Rabbanan Maase. Une histoire, la Gemara nous raconte une histoire. Maase Berabi Yoshua ben Hanania. Shaya Omed al Gav Maala Be'ar Rabait. Rabbi Yoshua ben Hanania, la Gemara nous raconte qu'il se trouvait sur une marche, sur les montées, les marches qui montaient vers le Harabait. Vera'ahu ben Zoma. Ben Zoma, il a vu Rabbi Yoshua ben Hanania, mais Ben Zoma, il était dans ses pensées. Et on avait vu Ben Zoma hier, qui faisait partie de ceux qui étaient rentrés en Pardès, et lui, il n'était pas sorti intact, on avait dit. Comme on a vu dans Rachid, Nifga, il avait été touché, il avait un petit peu perdu, pas la boule, mais bon, il avait un petit peu perdu la tête. Ben Zoma. Il était pas, mais je sais pas exactement comment, apparemment, il était quand même Chacham, il était quand même dans les Yanim. Mais pas, il était un petit peu comme ce que la Gemara elle va appeler était Bachout, comme ça la Gemara dit. On appelle à l'ouest. En tout cas, Rabbi Shimon Hanania, il passait pour aller, il montait sur les marches qui allaient vers le Rabbaït. Ben Zuma, il l'a vu, il s'est pas levé. On dit la Gemara, Velo Hamad Lefanav. Amarlo lui a dit, mais Aïn Laïn, tu viens d'où, à où, tu fais quoi? La question est en train de faire, pourquoi tu viens, tu ne bois pas? Aujourd'hui, il y a un peu du mais. Yerushalayim. Non, mais c'est pas celui on a pas le droit de rentrer. C'est le souci. Bah, on a pas le droit de rentrer. Celui qui est Balkiri ne peut pas rentrer. Les gens qui disent qu'on ne peut pas rentrer parce que. Balkiri, tout ça, ouais, on ne peut pas rentrer quand on est Balkiri, mais. Ils étaient en IV. Ils étaient encore juste après la pandémie. Aujourd'hui, je peux rentrer là où il y a. Partout dans tout le Harabait. Dans tout le Harabait, si tu n'es pas mal. Celui qui est pas mal. Non, voilà, ça c'est le Hazara, ça. C'est l'Hazara. Le Harabait, oui. Le Harabait, ça veut dire avant de rentrer dans l'enceinte de l'Hazara. Après voilà, donc donc il était sur les montagnes, les 20 à maximum. Tu veux que je revoie le lien? Ouais. Tu vas à la barricade. Tu vas derrière la barricade, il y a la poste. Le rond-point, là, tu vois, il y a le premier, tu redescends, il y a un autre rond-point. Tu vois, là, on faisait qui pour avant. Aujourd'hui, tu sais où est le Kodash Kachim? La rue en face. Plus bon. À peu près. D'accord, où il y a le. Bah, je pense que moi, je pense que je connais pas, mais oui, c'est connu. Bien avant le contre-église. Juste après Barakel. C'est pas que le Kodash Kodashim, c'est le Hazara. La Hazara, c'est encore un autre niveau de Kedusha. Là, on parle dans le Harabait. Là, dans le Harabait, c'est sur une montagne qui montait vers le. Maalab et Harabait. Ok. Ben Zuma, il l'a vu, il s'est pas levé. Il lui a dit, tu rêves, que t'es en train de, tu penses à quoi là? Tu penses à quoi? Donc on a dit Ben Zuma, tu te rappelles hier, on a dit Ben Zuma que il a été touché quoi. Ouais, transféré dans. Ouais, dans le Pardès, c'est ça, ils sont dans le Pardès. Je mets toujours les deux. Exactement, Rabbi Akiva, Ben Zuma, Acher et Ben Avai. Ben Avai qui était mort, Acher qui était parti en vrille. Et Ben Zuma qui avait été touché, Ben Zuma qui était sorti en attaque. Mais Hilarek, parce que je voulais pas te retarder, parce qu'on était sur la fin. Donc du coup, à Kher, c'est pas l'histoire qu'il a vu la mitzvah de Kenyonim et qu'il est parti en... C'est après le Pardès alors. C'est après le Pardès, c'est le Pardès qui est en train. C'est vrai qu'il y a la Gemara dans Kiddushin, qui rapporte là-bas avec le lien de Shiloh Haken et de Bikibud Avaim, exactement. Ouais, Nachon, la Gemara de toute façon aussi rapporte cette histoire-là. Mais sinon, c'est à cause du fait qu'il est parti. Tout ce Hamoud là, il va parler de Acher. On va voir un petit peu c'est quoi l'histoire d'Acher. C'est quel Hamoud là? Ted Vav Hamoud Aleph. De Masechet Chagiga. Alors,
Nous dit la Gemara que Ben Azaï, Rabbi Yoshua ben Hanania, il avait vu Ben Zoma qui était en train de rêvasser, qui ne s'était pas levé devant Rabbi Yoshua ben Hanania. Il lui a demandé à quoi tu penses. Il lui a dit, je suis en train de calculer. Amarlo me'ain la'in Ben Zoma, Amarlo tsofer iti ben ma'im aliyonim le'ma'im tartonim. Je suis en train de calculer la distance qu'il y a entre les ma'im aliyonim, les eaux souterraines et les eaux du ciel. Et de voir, et je regarde à l'horizon, je suis en train de calculer l'espace qui sépare la jonction entre les deux. Alors, bon, on sait que nous, la Terre, elle est ronde, c'est juste une illusion d'optique, etc. Mais bon, en tout cas, apparemment, il y a un espace que tu pouvais calculer quand tu regardais l'horizon. Et il lui a dit, c'est quoi, il lui a dit, alors, t'arrives à quel résultat? Il lui a dit, Tishalash Ezbot. Trois Ezbot, c'est ça la différence. Ou Tishalash Ezbot, Bilvat, Chenemar, Verouach, Elohim, il lui a apporté une preuve du Pasuk. C'est-à-dire, il voulait voir ce qu'il a ressorti du pasouk. Si ça se vérifie dans la Messie, il était en train de le regarder à l'horizon. Et il y a marqué dans le pasouk, Verouach Elohim merachefet al penamaim. Le Ruach Elohim, il planait sur l'eau. Keyona shemirachefet al banea. Comme une colombe qui plane au-dessus de ses enfants, au-dessus de son nid, qui ne le touche pas et qui est des fois même carrément à même le nid, mais elle n'est pas complètement dessus. Il y a cet espace-là de Shalashetzbaot. Verouach Elohim Rafet Abanamaim, Kayona Merashim Rafet Abanea, Veina Nogat, et qui ne le touche pas. Marlène, Rabbi Yoshua est Talmida, Rabbi Yoshua est ses élèves, il a dit, il est avec nous, Ben Zoma, ou il est complètement à l'ouest? Parce qu'on avait dit, Ben Zoma, il avait été Nivga. Il a dit, Rabbi Yoshua Talmida, Adain Ben Zoma, mais Bachout, Ben Zoma, il est encore à l'extérieur. Il est encore à l'ouest, là, c'est ce qu'il a dit, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il nous apporte une preuve dans Pasouk, Verouach Elohim Rafet Abanamaim. Or, ce passage-là, il a été dit le Yom Rishon. Or, le Yom Rishon, il n'y avait pas encore eu la séparation entre Maïm Elionim et Maïm Tartonim. Donc, comment tu peux m'apporter une preuve de l'espace qui est entre le Maïm Elionim et Maïm Tartonim dans Pasuk qui te parle du premier jour où il n'y avait pas encore cette séparation entre Maïm Elionim et Maïm Tartonim? Je ne comprends pas pourquoi la Gemara, quand même, elle nous rapporte des choses en plus, comme dire, il est encore avec nous. Quel intérêt, à part Bagnaï? Non, c'est pas Wagner, c'est de nous dire. Il dit à ses élèves, ne l'écoutez pas ce qu'il dit. Ne l'écoutez pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Il est pas avec nous. Mais non, c'est pas Wagner, il y en a même qui explique cette Gemara-là que c'était avant que Ben Zoma parte, ils soient Nivga. Bon, l'objet de Pachout, c'est de dire que c'est, après la Harchi ou Nivga, il y en a qui disent même c'est avant. Et quand même, on disait, il est Bachout, c'est-à-dire que c'est ce qu'il dit, c'est faux. Ouais, discussion pas grave. Il a du mot Bachout, ça veut dire que t'es déglingué. Non, c'est hors piste. T'es hors piste, t'es pas dans le vrai. C'est la seule qui est sortie là qu'on n'a jamais vue dans d'autres contextes. Ouais, Bachout, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça dans d'autres contextes. On vient de dire qu'il a été. En tout cas, voilà. En tout cas, ce qu'explique la Gemara, c'est que il lui a dit, tu sais pourquoi, c'est Proust qui a dit pourquoi il est à l'extérieur. Mirde, Verouach Elohim Merachefet Abanamaim, et Matavet, c'est quand qu'on a dit ce pasouk-là? Beyom Arishon, c'est le premier jour de la création. Avdala Beyom Hacheni, l'Avdala était le deuxième jour. L'Avdala, la séparation entre les eaux des premiers, les eaux des cieux et les eaux des Mitachat Hashamaim, Mitachat Laret. Cette séparation-là, elle était le deuxième jour. Dirti, Vaihi, Mavdil, Ben Maïm, Lamaïm. Deuxième jour, il y a eu une séparation entre les eaux et les eaux. Donc finalement, alors, ok. Donc la preuve qu'il a apporté Ben Zoma, elle est fausse, elle n'est pas bonne. Ok. Maintenant, si on se pose la question, c'est quoi la distance qu'il y a entre l'un et l'autre? Il lui a dit, il y a une toute petite distance. C'est quoi la petite distance? Kimlonima. Amar, Vekama, Amarava Khabariakov, Kimlonima, espace dangereux. Il y a une petite séparation, c'est pas dans le cheveu. Donc encore une fois, on comprend pas très bien exactement c'est quoi ce qu'ils sont en train de calculer ici. Les eaux qui sont dans les cieux et les eaux qui sont mitachat la shamaim. Alors est-ce qu'on parle mitba shamaim, qui a deux niveaux, il sait pas, il calcule la séparation, ou alors c'est entre la jonction, la jonction avec la terre, c'est à l'horizon. Maintenant l'horizon, c'est une illusion d'optique, donc c'est un petit peu difficile à comprendre. Mais du coup, il est pas trop hors sujet, hein, quand il fait la comparaison de la colombe qui plane sur ses enfants. Il n'est pas. C'est pas que j'ai dit qu'il a été touché. C'est pas qu'il est devenu fou. Il a été un petit peu quelque part touché dans le sens où voilà, il avait plus la même intelligence et la même perspicacité qu'avant, quoi. Voilà. En tout cas, nous dit la Gemara que Dirti va m'avoir dit ben même Vekama Marvavakov Kimlo Nema. Rabbanan te disent qui gouda des gamla. Comme la séparation qui goûte là des gamelas, comme la séparation qu'il y a entre
quand tu fais un pont, et que je fais un pont qui va traverser de rives d'un fleuve ou un truc comme ça, tu prends des planches, tu les colles les unes contre les autres, d'accord, reliées par un fil, une corde, etc. Mais donc, il y a une toute petite séparation. Alors bon, c'est vrai que nous, on connaît des ponts, il y a des grandes séparations entre les planches, mais bon, c'est quand tu, même quand tu veux mettre l'une collée contre l'autre, c'est pas hermétique. Il y a toujours un petit peu d'air. Donc, c'est forcé qu'il y ait une petite différence. Donc, pareil aussi, il a donné aussi la comparaison à qui, Marutra avec Temar, Abashi Amar, qui très glimé des prissés à Adadé. Tu prends deux vêtements les uns sur les autres. Bah, ok, ils sont l'un sur l'autre, il n'y a rien qui les sépare. Mais il y a quand même un petit espace, minime qui va les séparer. Des Amrilaïna qui disent qu'ils très kissaient des Srifé à Adadé, comme deux, kissés, cassés, en fait, c'est ici des poches ou des poches, peut-être, ouais. Qui sont posés l'une sur l'autre aussi, la même idée. De dire que ce qu'il y a entre ce qui les sépare, c'est tout petit. Ah, maintenant, la Gemara veut nous raconter l'histoire de Acher. Acher kitzetz benotiot. Acher, lui, il a coupé les racines. Donc, bien entendu, on comprend que la chose de couper les racines, il fait référence au Pardes, qui était un derrière Macha, quand ils sont rentrés pour voir la Shrina, à l'endroit du Kisei HaKavod, Kavir Chol, qui a été comparé à un Pardes, et Acher, lui, dans ce Pardes-là, il a coupé les Netiot. Kitzes Benetiot. Alors, va Kotoubomer sur lui, sur Acher, le Pasuk dit, on va voir, ça veut dire quoi quand il a été Kitzes Benetiot, parce qu'il s'est passé quelque chose. Là-bas, il s'est passé quelque chose qui l'a fait un petit peu être hors de lui et qui lui a fait perdre sa Emouna. Donc, on va voir que finalement, Acher, c'était pas seulement un problème de Emouna, c'était aussi un problème de Tava, parce qu'encore, tu peux dire, quand c'est de la Emouna, c'est des croyances un petit peu au niveau de l'intellectuel, donc ça reste un petit peu quelque part, c'est très très grave, mais ça reste quand même un petit peu quelque chose qui peut s'entendre. Mais après, on va se rendre compte que finalement, après, il a fait toutes les tables, Libo, il a été faire des métiers, etc. Si tu crois plus qu'il y a un dieu, tu fais ce que tu veux après. Ouais, c'est normal. Bon. Alors, tu vois, on va voir. Alors, regarde ce que tu dis, Agmarak. Acher qui s'est béni, tu as d'avoir qu'à tout vomir sur lui, parce que nous dit. Un violeur. Al Titen Picha Lachati et Bessarcha. On a jamais vu qu'il a tué. Mais jamais n'a Mais il a jamais tué, on a jamais vu qu'il a tué, qu'il a volé. Pourquoi on l'appelle Acher? Tu vois, c'est son histoire qui m'a. Même là, pourquoi on l'appelle Acher alors que. Mais moi, pas raconter. Pourquoi la Gemara elle nous raconte pourquoi on l'appelle Acher? Alors, Maïchava, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a été khati, il a donné sa bouche, la khati, et sa recha, à cause de sa bouche, à cause d'une parole qu'il a dite, à cause de ça qu'il a été un petit peu, évincé, on l'a un petit peu basé de faire partie de Tanaïm, de faire partie carrément du. D'être Bichlan Ben Torah ou un. En fait, on l'a pas éjecté parce que. On parle c'est qu'il a été, histoire. Quelque part, il a été éjecté. Ça veut dire que lui, en fait, il a dit quelque chose, il a dit une phrase qu'il fallait pas dire. C'est quoi ce qu'il a dit? Il a vu Mitatron. Alors, Mitatron, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le prononce? On le prononce pas? Bon, c'est écrit. C'est écrit. Bon, ouais, en tout cas. C'est un malach. Il y en a qui ont marqué dans le monde en Sanhedrin que Shmo Kishem Sakadosh Baruch Hu, il a vraiment beaucoup de points communs. Kaviachol, ça capte mal les frères. Waouh! C'est pas celui qui est en noir, qui est remonté, comment il s'appelle? Celui qui était vision? La Acher? Non, Sandalphone. Avec Noir, dans l'époque de dans les premiers parachutes de trucs, qui est mort, style vivant. Khanor. Il y en a qui expliquent que c'est Khanor, c'est vrai. Khanor, c'est un ange? Il y a marqué qu'il y en a qui se commettent à 30, c'est pas normal. En tout cas, nous dit la Gemara que, il a vu Métatron, et il a vu que Métatron était en train d'assis dans l'enceinte du Kisei HaKavod. Maintenant, on n'est pas n'importe où. Mmh. Assis, tranquille, en train d'écrire des srouillottes pour les Amisraël. Mmh. Acher, il a dit, je comprends pas. Regardez dans les mots. Johan, j'ai un petit peu arrangé le. La coupe. Non, pour que ça capte mieux. J'espère que ça va mieux capter. Dis-nous si ça capte mieux, envoie-nous un petit message. En tout cas, nous dit la Gemara que Acher, lui, quand il a vu que Métatron a été Tiaval les Réchoutas, on lui a donné le Réchout, les Mitav pour de s'asseoir. Ou le Mirtav Zarvata d'Israël d'écrire les Sruyot de Ram Israël. Amar, c'est-à-dire que pour écrire les Sruyot de Ram Israël, il a eu le droit de s'asseoir. Amar, il a dit Gmira, moi, pour j'ai toujours appris. Des mâles, des les mâles, l'Oave, l'Oyeshiva. Quand tu es les mâles à côté d'Akavish Bokhoui, personne ne peut s'asseoir. Velo Tacharout, il n'y a pas de concurrence.
il y a que du shalom, l'oref, il y a pas de nuque, parce que tous les anges, ils ont des visages quatre faces. Ils ont des faces à toutes les, tous les, il y a pas de nuque et de trucs, c'est quatre faces, c'est, velo yifou, il y a pas de fatigue aussi, à yifout, il y a pas de fatigue aussi. Pourquoi? Donc, Shema, Chavé, Shalom, Shtere, Shuyot, il a dit cette phrase-là. Peut-être que finalement, il y a peut-être deux divinités, c'est quoi? C'est Mitatron aussi, il est assis, en train de, tranquille. Alors, Afkoua, le Mitatron, ce qui s'est passé, c'est que ce Mitatron, on l'a jeté. On l'a sorti à l'extérieur, où Marchua Shitin poussé de noir, il a été frappé par 60 coups de fouet en feu, bâton de feu. Pourquoi? Ils lui ont dit, Maitama kachazite lokam tamikame. Pourquoi est-ce que tu as vu Acher, tu ne t'es pas levé devant lui? T'aurais dû te lever devant lui. Je me rappelle que Michel aussi, il avait reçu 70 coups de fouet. Il t'a ouvert les reshuta, les mimchak, on dit ça à l'ange, pourquoi tu t'es pas levé? Pourquoi? Alors que tu, quelqu'un te voit, entre guillemets. Ouais, alors qu'il te voit. En gros, tu l'as fait. T'aurais dû faire Kavod à Acher. Parce que si t'aimes à ce moment-là, il t'entend bien. Moi, Michel, je le vois pas comme ça, tu aurais pu faire le Kavod à Acher. Moi, je vois que. T'as un bassard à dame qui monte. C'est pas Kavod qu'ils comprennent que tu. Voilà. Faut pas qu'ils frappent des choses. Nous on vit entre nous, il faut pas qu'ils voient comment on fonctionne. C'était pas Michel qui avait pris 70 coups de fouet parce que je sais pas ce qu'il avait fait. Et cet ange-là, il est différent. Je me rappelle de quelque chose comme ça. Ou avant-hier. Ouais, Saint Delphine, c'est pas bien. Saint Delphine, c'est un autre malard qui fait des tarim derrière le Pisa Kavod. Avec Hashem Hashem, ça va directement, c'est ce qu'on a vu hier, avant-hier. En tout cas, le Kushinyag Mayel nous dit que, à ce moment-là, Mitatron, il a eu une autre mission, qu'il a eu le droit d'effacer les Mimchak. Zachvata de Acher. Il a eu le droit d'effacer les mérites de Acher. Bah, tu vois, c'est encore. Il a le droit d'écrire les mérites d'Israël. Il a le droit d'effacer les mérites d'Acher. Il a Tabat Kol, et donc à ce moment-là, c'est pas pour se venger. C'est-à-dire qu'Acher, il a dit une phrase de trop, comme on a dit, Altiten le Picha, l'Artiet Besarecha. Il a dit une phrase qu'il fallait pas dire. Il a dit qu'il y a deux Rechouyot. C'est très grave. Il n'a pas affirmé, il a posé la question. Voilà, c'était tout. Il voit quelqu'un qui s'assoit sur le trône de. Normalement, Mavamina, il n'y a même pas d'Avamina. C'est quoi cette Avamina de penser une chose pareille? Il a fait une Tova ou. Ah non, je lui ai dit, bon, c'est pas deux minutes, style. Ça veut pas dire qu'il est. C'est surtout pour le mérite d'Am Israël, c'est pas qu'il le fait pour son kiff, quoi. C'est en pour plus. Le mérite d'Am Israël. En tout cas, voilà, après lui, il n'a pas compris comme ça, il a dit, il y a deux Réchouillottes alors. Maintenant, il y a une Batkol qui disait, Chouvou, Banim, Chouvévim, Khoutz, mais après, tout le monde peut faire tes Chouvou, même les enfants qui sont Chouvévim. Qui sont égarés. Par contre, Acher, non. Plus de tchouva pour lui. Alors, les Mfarchim, bien entendu, ils expliquent tous, Pechad, que c'est le Batkol qui a dit ça, mais c'est pas le Emet. Vadaï, que s'il avait fait tchouva, il aurait pu faire tchouva. D'accord? En tout cas, la Batkol, elle a dit comme ça. Amar, il s'est dit, Acher, oh, il veut y trida ou gavra, mais ah, ou elma. Si j'étais exclu du Olamaba, alors l'époque, l'étané, bah, il y a au moins que je profite dans ce monde. Amar, il a dit. Enfin, Acher, il est sorti, les Tarboutra, il est parti en vrille. Il est parti, les Tarboutra, il est parti dans un mauvais. Nafak. Alors, ce que lui a pris au prix. La vérité, c'est que s'il a été touché dans sa émouna, dans ça, c'est pas de la émouna. Après, au début, c'était un petit peu de la émouna, mais après, tu vas voir que finalement, il va même essayer de rentrer dans les bateaux de Midrashot pour essayer de revenir. Et il va avoir des stops. On va le stopper, tu vas voir. Regardez les histoires. Nafak, Ashkar Zona, il a trouvé une zona. Tava, il lui a dit, vas-y, j'ai envie d'aller avec toi. Amralé lui a dit, Vela Velisha Ben Avouya, toi tu es Elisha Ben Avouya, quel rapport? Il lui a dit, c'était Shabbat, Akar Pougla, Mishra Be Shabbat. Il a pris ses Shabbat, il a arraché un radis d'une mode de terre pour lui montrer, quel est Elisha Ben Avouya? Voilà, moi je suis Mechalel Shabbat de Farasia, regarde devant toi. Tac. Il a été Mechalel Shabbat. Et il lui a donné, et Amra, elle a dit, Acheru, c'est un autre. D'où le nom de Acher. C'est de là qu'on appelle Acher. Par l'appellation de la Zona qui a vu qu'il avait fait quelque chose qui était Acher, différent du comportement que normalement Elisha Ben Avouya était censé. De l'image que Elisha Ben Avouya était censé représenter. C'est pas de la Tava, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est. Comme ça, je le vois. C'est pas de la Tava, les Znout. C'est plus que. Une fois que tu prends l'éponge et que tu la jettes, il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de. C'est pas une Tava. C'est presque. J'ai presque envie que c'est de la provocation. C'est même pas de la tabac, c'est de la provocation. Ça y est, je suis plus sous Akadosh Baruch Hu, ça y est. La preuve, c'est que quand lui a dit t'es pas déjà, regarde, je prends tranquille, je suis plus. Alors regarde ce qu'il a dit. Shal Acher et Rabbi Meir. Acher il a dit, après. Shal Acher il a demandé à Rabbi Meir, lui a dit, l'Acher Shatzal et Tarboudra, une fois qu'il était parti en vrille.
Amar lui a dit, Maï Dirti, c'est quoi ce passage dans lequel il y a marqué Gametze, Leumatze, Asaeloki. Du coup, il a fait l'un en face de l'autre, c'est-à-dire le mal en face du bien. Il a fait des. En réalité, il a créé des choses et leurs contreparties. Mm. C'est quoi ces choses-là et leurs contreparties? Amar lui a dit, Kol Mashi Barakadosh Boku, Barak Enekdo. Tout ce que Kadosh Boku il a créé une contrepartie. Barakarim, Barakvaot, il a créé les montagnes, il a créé les vallées. Barayamim, Baraneaot, il a créé des mers, il a créé des petits fleuves. Là, je vois pas, je vois pas la contrepartie, mais bon, ouais. C'est vrai. Amarlo Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Rabbar, il a pas dit comme ça. Rabbi Akiva ton maître. Lo Amarkar. Et là, Barat Tzadikim, Barat Rishaim. Akadosh Baruch Hu, il a créé des Rishaim. Il a créé des Tzadikim, il a créé des Rishaim. Vous voir un petit peu d'arguments, il va vouloir un petit peu se donner bonne conscience dans ces arguments, tu vois. Barat Tzadikim, Barat Rishaim, moi je comprends ici qu'il veut lui dire que voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé des Rishaim, quoi. C'est-à-dire, c'est pas. Il faut bien attendre au Tzadikim qui a de la génération. Voilà. Barak Aneden, Barak Geinam, Kol Echad Vechad, Yeshloch Nechalakim. Et non, par contre, il dit, c'est que chaque homme, c'est-à-dire que Racha, à la base, il a deux Chalakim. Un Chalak dans le Ganeden, un Chalak dans le Geinam. Les Rishaim, ils prennent le Chalak de Geinam des Tzadikim. Et les Tzadikim prennent le Chalak de Ganeden des Rishaim. Echad Beganeden, Echad Begeinam. Zachat Tzadik, le Tzadik Kizoré, Natal Chelko, Vechalek Chavero Beganeden. Nitrayev Racha, Natal Chelko, Vechalek Chavero Begeinam. Il prendra sa part et la part son ami dans le Geinam. Amar Meshar, Shah, Maikra, sur quel pasouk tu te bases pour dire une chose pareille? Gabet Tzadikim, Ktiv, donc ça c'est un vrai enseignement. Rav Meshachia, il l'a dit. C'est un vrai enseignement de Acher, hein. C'est pas du. Non, mais... Acher, il rapporte au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, exactement. Donc la Chen, Beartam, Mishne, Yirshu, dans leur terre, donc les Tzadikim, Mishne, double part, Yirshu, ils les hériteront. Et Gabet Tzadikim a marqué, ou Mishne, Shibaron, Shivarem, et ils vont avoir aussi une double part de Shibaron de Kassur, quoi. Très bien. Continue la Gemara, elle nous dit, Shah, Acher, et Rabbi Meir, le Acher, Shetzelo, Tabitra. Donc encore une fois, Acher, il a demandé à Rabbi Meir une fois qu'il était parti en Tarboutra. Maïdir Tif Kavir, prendre le pasouk, lo yarren azahab uskuchit, ne lui équivalera aucun or et aucun verre, ou tmurata, klipaz, et ne pourra être son échange aucun ustensile à base de matière précieuse. Amarlo, il lui a dit, Elodi vrai Torah, on parle des paroles de la Torah, c'est des paroles de la Torah qui sont comparées à l'or et au uskuchit. Pourquoi? Parce que la Torah, kashin liknotan kiklizahav, ils sont difficiles à obtenir autant que de l'or, qui coûte très cher, ou qui clipaz et comme un clipaz. Venochin le abdan qui clisrochit. Et tu peux facilement les perdre comme du verre. C'est comme il dit Rashi, si on fait pas chazara. Celui qui fait pas chazara la Torah, elle se perd, elle s'oublie très rapidement. Amarlo lui a dit, Rabbi Akiva Rabar, lo amarachi, lo amarkar. Ton maître Rabbi Akiva n'a pas dit comme ça. Et la ma clisa, ou clisrochit, afal pichinish birouye, shlem takana. Si, de la même façon qu'un keli en zahav et en srochit, eux, quand ils se sont cassés, tu peux les refondre et les reformer. Tu peux refaire un keli avec. Av tamid chacham, pareil aussi, un tamid chacham, afal piche sarach, même si il est devenu pourri, yeshlo takana, il peut revenir. Amarlo. Amarlo, yalor afata chador becha, alors vas-y toi aussi. Acher, allez, vas-y, viens. On va emmener Rabbi Meir, il va prendre son rôle de Mezaki Arabi Marja Bichouva. Il lui a dit, allez, vas-y, viens, refais Tchouva. Toi aussi, tu peux revenir. Il lui a dit, Amarlo, gvar shamati merchora pargod. J'ai entendu de derrière le pargode. Derrière le pargode, il y en a qui disent c'est derrière le vilon. Le vilon, ouais. On a vu que c'est le premier cieux. Il y en a qui. Ah ouais. Mais j'ai entendu Merkhoa pargode. Toi, soit tu dis Kodashim. Ouais. En tout cas, Shuvu Banim, Shovevim, Khoutz Meacher. J'ai entendu qu'on disait là-bas, en dehors. Si c'est marqué Khoutz Meacher, ça veut dire c'est après qu'il est parti. Non, ben, on parle de la Kharch, il y a ça, Taboudra, bien sûr. D'accord, ok. Alors lui, il a entendu ça après qu'il est sorti de Taboudra. Ouais. Comment il a pu entendre ça? C'est des bad calls, des trucs. Disons que c'était surtout pour lui, hein. Même Bilam et voilà. C'est ça, ouais, t'as raison. Bilam aussi, il y a des recherches. Voilà, t'as des gens qui sont plus, qui est Dieu, il veut bien se révéler. Ça nous rappelle un CB Acher. Shaya Rochev, Alsous, Beshabbat. Acher, il était en train de chevaucher sur un cheval. Il sourit à banane. Et au tsa aussi, c'est à dire. Vaya, Rabbi Meir, Mealech, Acharav. Et Rabbi Meir, il marche derrière lui. Reviens. Dis-moi Torah, viens, étudie la Torah. Allez, viens. Rentre au Beit HaMidrash. Il voulait étudier et apprendre la Torah de la bouche de Acher. C'était son maître. Imagine-toi, c'est son rave. C'est-à-dire que, il était Rabbi Meir, il a tout fait pour que son rave se reprenne. Amarlo, Meir, il lui a dit, Meir, chazor, la charecha, lui a dit, Meir, retourne. Shigvar, shi'arti, be'akeva, be'akvesusi, atkan, trum, shabbat. J'ai calculé le nombre de pas de mon cheval et j'ai calculé que là, on était à la limite du tronc de shabbat. Pour Meir. D'accord, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Entre guillemets, lui, il est en train de prendre un truc des rabbanan,
Il est en train, si tu veux, de dire à un mec qui est complètement parti, tu lui dis, attends, on est en train t'es en train de me mettre en galère. À la limite, parle d'un truc de l'histoire de la Torah. Non, mais là, c'est Acher qui a dit Ramir ça. C'est pas Ramir qui a dit Acher, c'est Acher qui a dit Ramir. Le Troum Shabbat, quand il est trop grand, d'après certains avis, c'est de Raita, d'après Yael Marcogat, parce que c'est de Raita de Rabanan. Voilà, maintenant, même les Yudbet Milim, il y en a qui pensent c'est de Raita. En tout cas, un Racha Gamour Merouja qui a été pour Ekol les Gamri, il va aussi être Nidva sur les petits de Rabanan aussi. Hein. Il n'y a pas de réduction. Hein. La différence, c'est que lui, ça touche moins. Amarli lui a dit, Afata Khazar Becha, lui a dit, toi aussi reviens avec moi. אמר לי ולא כבר אמרתי לך שתדע לי שמעתי מאחור הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר אימפוסיבל אמרתי חוץ מאחר רבי אמיר il a dit allez on va prendre les choses au sérieux il a retroussé ses manches il a dit tu vas venir maintenant ça y est il a attrapé de force il a traîné dans le Midrash ça y est tac fait il attrape de force allez le Midrash אמר לי נוכל לרחוב il a accepté il s'est fait traîner il est rentré en premier Beth Midrash numéro 1 lui a dit psukri psukra il a dit un petit gosse dis-moi ton pasouk qu'est-ce qu'il dit comme pasouk. Amarlo lui a dit En shalom Amar Hashem la Rechaim. Pour les Rechaim, il n'y a pas de shalom. Il a dit Ouais, Khaled. Je rentre déjà, je veux rentrer. Il se fait jeter. Non, c'est pas ça, c'est que ce qui est horrible dans ces affaires. Enfin, je me mets à sa place, je ne suis pas là pour défendre ça. Ah oui, c'est ça, c'est que. Mais qu'en fait, on lui a fait comprendre par tous les moyens que c'est fini, qu'il était. Exactement. Aucune rédemption. Mais c'était pas une raison apparemment. C'est trop facile, surtout au niveau de Elisha Ben Avouya, c'est pas ça. On va voir que tout ça démarrait de quelque chose qui était en soi à la base pas top. De donner la crédibilité au. Alors dans toute fois il y a plein de Sipurim qui sont racontés comment c'est passé quand il était au moment de la. C'est dans les mains qui ont rapporté, dans les mains, on va peut-être dire ça. Il y a deux histoires qu'on va rapporter dans Tosfot, que quand sa mère, elle était enceinte. Enfin, quand ce qu'il dit l'enfant, si l'enfant, il aurait dit, tout le monde peut faire tout bas, machin, il serait parti. En tout cas, nous dit la Gemara ici, alors regarde, c'est pas la première fois, 3-4 fois, tu vois. Deuxième Beth Midrash, il a dit, Aïlé, les Beth Kishta Harita, donc même Rabbi Meir, il a dit, ok, je comprends, ici, on peut pas te faire rentrer. Et on va dans un bec qui t'a arrêté, on va dans un bec qui t'a arrêté. Vous êtes même pas dans un bec. Amarle les Nouka, il a dit un Yenouka. Psokli Psukra, dis-moi ton pasouk. Amarle, il lui a dit le pasouk de Yenouka. Qui im te chabsi baneter. Même si tu vas te laver avec de l'Ariel plus. Ve tarbi le chaborit, et que tu vas te mettre du calgon. Ve nirtam avoner. Ta faute, elle t'entache. Incroyable. Les fanailles devant moi. Ah, il a dit, ok, j'ai compris. En autre bétagnette. Allez, le bec nishta, arrêté. Il est parti dans un autre bétagnette. Marley lui a dit, Leinouka, psokrip soukra, donne-moi ton pasouk. Il lui a dit, Ve'at, shadoud, mata asi, kitil beshi shani. Et toi, à quoi ça va me servir que tu vas mettre maintenant un vêtement? Toi qui es prisonnier, à quoi ça me sert que tu mettes maintenant un vêtement de shani, de bonne qualité? Qui t'a dit à des aves que tu mettes de l'or? Qui t'y crée, befour? Et naïcha la chave, titi api, c'est pour rien que tu te fais belle. Ça sert à rien de te faire belle. Donc c'est un sous-entendu, toi, Rer, tu viens vouloir étudier ça, c'est dit, ça sert à rien de te faire belle. Aïlé le Bekhnishtah, arrêté, il lui a emmené dans un autre Bataknezet. Aïlé le Tlesa Bekhnishtah, il lui a emmené dans 13 Bataknezet. Cool oups, parce que les Ouki Aïgavna, à chaque fois il a eu des psukim du même style. Les Batra, dans le dernier, Amarle, il lui a dit psukim psukra. Amarle vela racha, Amarle lokim. A Kadosh Bokhu, il a dit au racha. Malécha le saper hukai. Qu'est-ce que tu viens étudier ma Torah? Non. Donc là, c'était clair. Aouyenouka, alors qu'est-ce qu'il a fait, Acher? On va voir, la Gemara dit, elle dit que Aouyenouka, avec mes gamgem belichne, ce Yenouka, il bégayait. Il a dit, au lieu de dire, vela racha amar Elohim, il a dit, ou les Elisha amar Elohim. Ah, bichlal, ishtama kemadama, ou les Elisha amar Elohim. Alors, il y en a qui disent que Ikadamre, que Sakina avait badé, il avait un petit couteau sur lui, il lui a fait, Daesh, il a coupé en 12 morceaux. Ah, il l'a tué? Il l'a tué, égorgé, coupé en 12 morceaux. Ouais, l'enfant. Coupé en 13, en 12 morceaux. En 13 morceaux, mais c'est qu'il a envoyé dans les 13 Bateknesiot. Ou l'a dit, Shama Elohim, Ikad Amre Sakina, Ave Baade, Vekar, et il a déchiré, Veshadre, les Tlissar. Il l'a tué. Beknishta. Et il y en a qui posent la question, comment Rabbi Meir. Il a laissé. Il a pu. Comment Rabbi Meir. Ça coupe pas bien, c'est bizarre, hein. Ouais. Bon. Top, HM là-dedans. En tout cas, nous dit la Gemara que Johan, dis-nous, ça capte mieux un petit peu, parce que j'ai été un petit peu le truc, mais bon. En tout cas, Rabbi Meir,
Il lui a, enfin, il y en a qui se posent la question, comment se fait que, à cause de Rabbi Meir, finalement, il y a eu ce boss qui a été tué, quoi, finalement. Bon, si c'est vrai que d'après ce pirouche-là, en tout cas, il a tué le gosse. Mais Kadamré, d'après le deuxième pirouche, Amar, il y a Vaïba dit Sakina avec Karina. Et si j'avais un couteau, j'aurais écrabouillé ce gosse-là, comment il m'a parlé. Non, il a même pas fait exprès, le gosse, hein. Il bégayait, c'était même pas voulu. Je crois qu'il a déjà petit coupé, qu'est-ce qu'il veut. Non, Kadamré, c'est une autre version. Kinar Nafiede Akher, parce que. Yadaïdi, c'est pas le enfant qu'il a tué, hein. C'est quoi? Il a pris la. Le livre, il y en a qui disent que c'est le livre qu'il a pris. Pour dire pour Benchrei. Benchrei, c'est un Chabak. Kinar Nafiede Akher, parce que lorsque Akher il est mort, Amré, ils ont dit, l'homme idan les daïné, on peut pas le juger au Geinam. Akher, il a eu toute une vie de Torah. Ce qu'il a fait en Torah, c'était énorme. On peut pas le juger au Geinam. Vélo l'alma d'Aate, l'ité. On peut pas non plus le faire entrer au Lamaba. C'est catastrophique. Le Babylon a dit qu'il a coupé en 13 morceaux et qu'il a envoyé aux 13 bâtés Midrashot. C'est sûr, 13 bâtés Midrashot, il a été éjecté. Il a été jeté pour l'argent. Voilà, c'est à cause de ça que je... En tout cas, l'homme midan le daïné, vélo l'alma d'Aate, l'ité. Alors, l'homme midan le daïné, on peut pas le juger au Geinam. Pourquoi? Mishum de Fakboraita, il a beaucoup étudié la Torah. Vélo l'alma d'Aate, l'ité, il pourra pas venir au Lam à émettre au Lamaba. Mishum de Khata, il a fauté. Amar Rabbi Mir, il a dit, Moutab, l'Itaïne, Vélité, l'Almadat, et qu'il soit jugé, qu'il prenne du gain un petit peu, mais qu'il aille au Lamaba à la fin. Avec ces Zvara-là, nous, on est où alors? Il était le. L'Agmal va raconter ça. Mais quand même, ça l'a sauvé du gain. L'Agmal va raconter. Attends, il n'a pas été sauvé, pourtant, il n'a pas été sauvé du gain. Oui, mais au début, le gain, il dit, non, il est trop. Alors, bon, Acher, c'était quelque chose de particulier, peut-être vraiment bête. Alors, l'Agmal, elle nous dit ici, donc, la deuxième grande ligne. Amar, Rabbi Meir. Il a dit, quand est-ce que moi je vais mourir, Rabbi Meir? Il a dit, pour que je fasse monter au-dessus du kivar de Acher, de la fumée, pour montrer qu'il est jugé au Geinam. Je veux qu'il se fasse cramer. Je veux, oui, qu'il se fasse cramer au Geinam. Pour que après, parce que Geinam, étape suivante, c'est Olam Haba. Gan Eden. En tout cas, on dit la Gemara. T'inquiète pas. Que. Kinar Nafshi, lorsqu'il est mort, Rabbi Meir. Kinar Nafshi de Rabbi Meir, Salik Koutra mi kivre de Acher. Il y a effectivement de la fumée qui montait, qui sortait du kever de Acher. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il a dit, Gvurta le mikle rabbe, est-ce que c'est beau de brûler son maître? Ok, il le fait dans un but positif pour pouvoir emmener après la mama, mais c'est ton rav, tu vois, à cause de toi, il va cramer au Geinam. Il dit, moi, Almaï, que je meurs bientôt et que j'aille le sauver du Geinam. Il a dit, il a dit Rabbi Yochanan, apparemment c'est Rabbi Yochanan Amora, hein, c'est juste après quoi. Bah, Rabbi Yochanan Amora, c'est bien après, c'est pas beaucoup après. C'est 2-3 générations après. Voilà, c'est vrai. Parce qu'il y a eu Rabbi, après il y a eu. A priori, je comprends que c'est Rabbi Yochanan là, parce que Rabbi Yochanan ce serait. En tout cas, on dit Agmara, Khadave Benana, on avait parmi nous un Chacham, Velomassinan Latsoule, et on n'arrive pas à le sauver. Inacté Beyadi, Man Meramele, 6 mois, maintenant je vais rentrer, je vais le prendre, et je vais le tirer, je vais le prendre par la main, et je vais le faire rentrer au Gan Eden. Qui m'en empêchera? Il a dit man amar matay amut vechabe achan mikivro. Quand est-ce que je vais mourir pour pouvoir éteindre cette fumée qui sort du kiver de Acher? Kinar nafshi de Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il est mort. Pasak kutra mikivre de Acher. Effectivement, la fumée elle s'est arrêtée du kiver de Acher. Patachalea ou sabdana. Le sabdan quand il a fait l'espédime sur Rabbi Yochanan au moment de sa mort, il a dit afilu shomera petach lo amad efanecha rabenu. Même celui qui garde la porte du Ganet du Geinam, il n'a pas pu tenir devant toi. La preuve en est que tu as réussi à sauver Acher. Donc, sauf il est au Gan Eden, Acher. Finalement, Acher, dans ce qu'on comprend ici, c'est qu'en tout cas, il n'est plus au Geinam. Il est passé par le Geinam, il n'est plus au Geinam. Et Kabirchol, il a été pris, au Gan Eden. Mais il a pris avec lui. Bitoche l'Acher, dans la fille de Acher. La fille de Acher, elle était là, mais elle était pauvre. Bitoche l'Acher, Atia, les camés de Rabbi, elle est venue devant Rabbi. Amral, elle lui a dit, Rabbi, Parneseni, donne-moi à manger, nourris-moi. Amar, là, il lui a dit, Batmi at. Tu es la fille de qui? Amra, l'eau, elle lui a dit, Bito shel Acher, je suis la fille de Acher. Elle dit chez Acher, elle dit pas de ce super. Ouais. Hein? Amar, ouais. Regarde ce qu'il lui répond. Hein, Amar, là, il lui a dit, Adain, Yesh Mizamro Baolam. Quoi, il a encore de la descendance. Il a encore une trace dans le monde. Véactif, pourtant, il a marqué, Lonin, l'eau, Velonéché. Il a marqué pourtant le rachat. Il y a marqué que le rachat, il n'aura aucune trace, ni de Neched, ni de petit-fils, ni de derrière petit-fils. Ve en sarid bemgura, il n'y aura personne qui va survivre parmi sa demeure. Amralo, elle lui a dit, Zachurto, le Torato, va dis comme ça, pourquoi tu regardes le mauvais côté? Souviens-toi de sa Torah plutôt que de souvenir les actes de Rishut qu'il a fait. Miyad, yarda esh, ve sirsecha, tafsalo shel Rabbi.
Au moment où la fille de Acher elle a dit ça, il y a du feu qui est descendu et qui a brûlé le contour du banc de Rabbi. Qui a léché. Avec la raison, ça veut dire. Ça veut dire que quelque part elle a eu raison. Donc Rabbi il a pleuré. Bacha Rabbi. Vamar Uma la mitganim bakar. Si déjà ceux qui se sont comportés avec après mal avec la Torah, il y a quand même ce respect qu'on doit leur donner. À tel point qu'il y a ce Esh qui descend et qui me fait cette remontrance. La Mishta Prinba, la Khatvikama Vekama, pour autre raison pour ceux qui restent dans le choix de la Torah et qui ne sont pas méganés la Torah. Rabbi Meir, nous dit Agmara, Echig Amar Torah, Mipoumé Deacher. On avait déjà vu ça un petit peu dans Maestret numéro 14, on en avait parlé un petit peu. Comment Rabbi Meir a pu apprendre la Torah de Acher? Normalement, on sait que tu ne dois pas étudier la Torah de quelqu'un qui est pas sur le bon côté, dans la bonne voie, pourtant il a marqué. Lui voulait étudier la Torah de Acher, même une fois qu'il était parti de Tamudra. Ve'amar Babachanan, Rabbi Yochanan. Maïdirtif, que nous apprend le pasouk qui chifte Kohen Ishmeruda, de Torah Yevakshu Mipiou. Les lèvres du Kohen, ce sont eux qui graveront la connaissance, c'est de lui que tu apprendras la Torah. Nous dit la Gemara, on apprend de là que si ton Rav ressemble au Kohen, à Malach Hashem Tzevakot, alors là tu pourras apprendre la Torah de lui. Et s'il ne ressemble pas à Malach Hashem Tzevakot, alors là tu ne pourras pas apprendre la Torah de lui. Parce qu'il y a marqué dans la fin du pasouk qui Malach Hashem Tzevakot ou. Im nomé Rav les Malach Hashem Tzevakot, Yevakshu Torah Mipiou. Ve im lav al Yevakshu Torah Mipiou. Amarech Lakish, Rabbi Shachek nous dit dans Rabbi Meir, il a trouvé un autre pasouk pour pouvoir s'appuyer et apprendre de la Torah de Acher. Rabbi Meir, Kra Ashkar Vedarash, c'est quoi le pasouk sur lequel il s'est basé? Atoznecha, tends ton oreille, Ushma, écoute, Divrei Chachamim, Velibecha, Tachit, Ledati. Par contre, ton cœur, tu le tourneras que vers mon esprit. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un qui est Racha, écoute ses paroles, mais par contre, sélectionne et prend que le bon côté qui est dans le kivoun de ce que Kadosh Baruch Hu veut. Ledatam, l'onémar, et là, Ledati. Ça veut dire que tu vas suivre mon avis. Rabbi Chanan Amar Me'acha, moi j'ai un autre pasouk sur lequel il s'est basé Rabbi Meir pour pouvoir apprendre qu'il peut se baser sur l'enseignement à partir du moment où il sait s'exfiltrer. Shim'i bat, écoute-toi ma fille, ouri et vois, ve'ati ozner, tends ton oreille, ve'shichechi amer ou bet avir, et oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc on voit de ce pasouk-là, quand on voit de ce pasouk-là, a priori que. Lishmoa, c'est-à-dire, regarde leurs enseignements, mais détourne-toi de leurs actions. C'est comme quand il explique. N'apprends pas leurs actions. En train de dire que, a priori, il y a une science entre les deux. Dans toi, il y a marqué Torah, Mevakshu Mipiou, et dans l'autre côté, il y a marqué qu'il faut écouter. Donc, c'est une contradiction. Tu me dis que c'est seulement si les Malach Hashem, c'est pas quoi. D'un autre côté, tu me dis qu'il faut écouter. Alors, comment tu résous la contradiction? Nous dit la Gemara. La Gemara te dit Kashu Krayadade, Lokashia, Habegadol. Ha-be-katan. Ça dépend si t'es un grand et que t'es assez grand pour pouvoir filtrer et sélectionner le bon du mauvais dans l'enseignement de ce type-là qui est sorti de Tamudra, alors fais-le. Si c'est un katan, lui, il aura interdiction d'étudier de lui. Kiatarav Zimi Amar, Amre Bemarava, on aurait israélisé que Rabbi Meir, Achal Tachla Veshada Shichla. On compare ça, le filtrage qu'il faisait des enseignements de Acher, comme quelqu'un qui a mangé la date, qui a mangé le fruit, qui a jeté le noyau. Il y en a qui vont comparer ça après à du rimon, on va voir juste après. Veshada Shichla le Bara. Darash Rava à Maïdirtiv. Et Ginate Golzarad, Tilirod Beibanach. Que nous apprend le passage de Shirachim qui nous dit que je suis descendu dans le jardin de Noah et pour voir Beibanach, pour voir le fleuve. Lamanim Sheo Tamide Chachamim, les Egoz. Pourquoi les Tamide Chachamim sont comparés à quelqu'un qui redescend dans un champ de Egozim? Non, quand je vous redescends dans un champ de Egozim, pourquoi les Tamide Chachamim sont comparés au Egoz? C'est pour te dire que le mal echa ma Egoz zé afal pi shemelukhlar betil ou betsoar en ma shebetochonim as. Le Tenukram est comparé au Egoz qui, de la même façon que ce Egoz là, il a une plipa qui est très chavaka. Tu prends l'Egoz, tu le jettes dans de la tsoa, dans du tit, dans de la saleté, et ben tu peux après manger ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas touché ce qu'il y a à l'intérieur. On dit qu'il faut prendre l'Egoz ou tu es chret. Et là tu dis que c'est la chachamim. Alors c'est pourquoi on prend l'Egoz? Gematria Chet, Gematria. C'est un Au niveau des bons, au niveau des simanim, c'est vrai que c'est un siman Gematria Chet. Maintenant, au niveau de la représentation dans l'idée, du machal, ouais. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que le mal est chamaï gozé, afal pichem tour la petite, ou betsoa, el machem tour nimas, aftamit racham, afal pichem sarach. Même si ce Tamid Chacham là il est parti, il a pourri, en Torah Toni Meset, sa Torah elle reste intacte. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'étudier la Torah de Acher. C'est pour ça que Rabbi Meir a pu se permettre. On continue avec Ashkeri Rabba Bar Shila le Eliaou. Rabba Bar Shila il a rencontré Eliaou Hanavi et il lui a dit Amarle Maïka Avid Akadosh Baruch Hu. Il fait quoi Akadosh Baruch Hu?
Amarle Kamar Shmatata, Ami Poumayou des Koudra Banan. Il est en train d'étudier la Torah au nom de tous les Chachamim. Par contre, au nom de Rabbi Meir, il ne rapporte rien. Mon pimé de Rabbi Meir, lo Kama. Pourquoi? Amarle Amay. Il a dit Mishum des Gamar Shmatata, Ami Poumé des Acher. Parce que ça, sa Torah, elle provient de Acher. Et vu qu'il a étudié les Sougyot de la bouche elle de Acher. Pas, elle vient pas que de Acher, là. Elle vient pas que de Acher. Mais à partir du moment où il a étudié la Torah de la bouche de Acher, il est quelque part tout son limoud, il a un petit peu cette empreinte-là de Acher. Donc à Kadosh Baruch Hu, il veut pas citer ça. Marley lui a dit, Amay, pourquoi Rabbi Meir Rimon Matza, Tocho Achal, Klipato Zarak? Il a trouvé une belle grenade. Il a mangé l'intérieur de la grenade, il a jeté l'écorce. Pourquoi Kadosh Baruch Hu demande Rabbi Bar Shila à Eliyahu Navi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il ne rapporte pas mon Rabbi Meir? Amarley lui a dit, Ashta Kamar Meir Ben Yehuda. Il dit, maintenant, grâce à ton argument, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait quelqu'un qui vient être avocat en la faveur de Rabbi Meir. Et maintenant, t'as raison, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit Meir Beni Omer Kar, Bismatch. Alors, quel est l'enseignement qui rapporte Rabbi Meir dans Bashamaim? Bismatch Adam Istaer, lorsqu'une personne elle souffre, Shrina Malachon Omeret, c'est-à-dire que par exemple, quand il y a quelqu'un qui est condamné à mort, il y a marqué concernant le quelqu'un qui a été rendu. Chayav Mita. Il y a marqué que Killat Elokim Talou. Il y a marqué que c'est une malédiction de pour Dieu qui est. C'est moi, tu peux avancer pour Charmoud. Pourquoi? Ah. Ouais, faire rapide là, à la fin. En tout cas, nous dit Agmara que. Qu'est-ce que la Shrina dit sur quelqu'un qui est en souffrance? Kalani Miroshi, malheur à moi de ma tête, malheur à moi de mon épaule. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il souffre, il est mystère aussi avec lui. Imkar, Ama Kadosh Baruch Hu mystère, Aldaman, Shel Rechaim. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il souffre pour ceux qui sont des Rechaim. Qui ont été chayav mita, qui ont été condamnés à mort, ils souffrent de les voir comme ça. Kalvachomer al-Daman, c'est des tzadikim, je ne sais pas pour votre raison, quand c'est des tzadikim qui ont leur sang qui est écoulé, que Akadosh Baruch Hu, il va avoir du tsar. Ashkere Shmuel et Rav Yehuda, des Taleb et Ivra, des Dacha, avec Kabaché. Shmuel l'a rencontré Rav Yehuda, qui était appuyé sur le seuil de la porte, et enfin sur le barrière, c'est ce qui est sur la porte, la rambarde de la porte. Et il était en train de pleurer. Amarle lui a dit Shinana, Maïka Bachri, tu lui as dit pourquoi tu pleures, Shinana, toi l'intelligent, Shinana c'est l'aiguisé, pourquoi toi tu pleures? Amarle lui a dit Mizutra, Maïdirtif, Bébé Rabanan. Est-ce que c'est petit pour toi ce qu'il y a marqué concernant les Chachamim? Il y a marqué Ayesopher, Ayeshokel, Ayesopher et Amigdalim, où se trouvent les Sophères, où se trouve celui qui compte, celui qui pèse, celui qui compte les tours. Alors, ça veut dire quoi cette chose-là? Ayesopher, Shayusophrim, Kola Otiot, Sheba Torah. C'est ceux qui comptaient toutes les lettres de la Torah. Aïe Shokel, c'est ceux qui pesaient le grave et le kalvachomer. Qui faisaient les kalvachomer. Aïe Shokrim, Kalim, Bachamurim. Sheba Torah. C'est quoi les soufers Migdalim? Aïe soufers Migdalim. Shayu Shonim, Shalosh, Mehot, Alakhot, Bemigdal, Aporea, Beavir. Migdalim, ça représente une alakha dans Maseret Oalot qui est très compliquée. Ça représente la alakha compliquée de Oalot. Migdal, Aporea, Beavir. C'est une souga dans le halot, une petite boîte qui est à la porte d'une maison où il y a une touma, qui est pas tout dans le côté d'un certain côté, qu'elle c'est son espèce de touma, etc. Bon, sans entrer dans les détails. En tout cas, sur ça, il y avait 300. Où sont les chachamim qui avaient 300 chez Lot sur ces halachot-là? Damar Biami, Tlot, mais Abaye, Baou, Doeg, Vachitofel, Bemigdala, pour Herbavir. En fait, ça fait référence à Doeg et Achitofel, sur lesquels on dit que ils étaient des très grands chamim, mais qui ont mal tourné. Où sont Doeg et Achitofel, qui avaient 300 questions sur Migdala pour Herbavir? Vetnan, Gimel, Melachim, Verbaï, Jotot, et Laim, Khaleklamba, il y a marqué qu'il y avait 3 rois et 4 hommes simples qui n'ont pas de Khaleklamba, et parmi eux, il y avait Doeg, Achitofel, Bilam, etc. Donc où sont-ils? Si eux qui étaient si forts en Torah, ils n'ont pas de parole à Maba, Anan, alors nous qui ne sommes pas aussi forts qu'eux en Torah, alors qu'est-ce qu'on peut. Maté et Véalan, c'est un petit peu la question qui vient de Maïdar, alors nous qu'est-ce qui va être de nous? Amarle lui a dit Shinena, toi, Chacham, Tinaï, Tabelibam, tout cela, ils ont beau être Chacham dans toute leur vie, mais au fond de leur cœur, à la base, il y avait un petit peu quelque chose de pourri à leur base. Il y avait une cellule qui était pourrie à l'intérieur, qui a pourri après tout le temps. Et alors? C'est quoi la pourriture qu'il y avait pour Acher, par exemple? Acher, Maï. Maï, c'est quoi Acher, la pourriture qu'il avait Acher? Je dis à moi, Zemer Yevani, le Patrick Mipoumé. Il ne cessait jamais de chantonner des chansons grecques. Voilà. Tout le temps, même quand il était Chacham, avant qu'il tourne du mauvais côté. Alors, c'est quoi le Zemer Yevani? Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que Zemer Yevani, c'était un petit peu des chants qui faisaient référence un petit peu à de la Avodah Zarah. Il aimait bien entonner les airs.
Avec les airs ou les paroles? Les paroles, c'est bien. Parce que les airs, c'est qu'on a aujourd'hui des trucs Kodesh, ça vient de quelque part de chansons. Ça vient de chansons Goy, quoi, je veux dire. Il y en a qui disent que c'est par rapport au fait qu'il y avait le Bali, c'était après la destruction du Betamigdash, et après la destruction du Betamigdash, il aurait pas dû, chantonner et faire choses là. Puisqu'il y a marqué que après la destruction de l'amidage, on doit réduire la chanson. On doit réduire les. Ça peut pas mettre Dalida dans la radio, quoi. Voilà. Ah, tu écoutes Dalida. Non, mais parce que non, je comprends, petit dossier. Petit dossier. Je veux bien ici une chanson Stam. À ce moment-là, c'est. Il est où le Macera? Le Macera. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a marqué que par exemple, il y a marqué de Macera Sanhedrin. Il y a marqué que pas mission qui pas le Olamaba. Il y a marqué que ceux qui écoutent les chansons Shiré Agavim. Chiré Agavim, c'est chansons entre guillemets d'amour et les chansons grivoises, choses sales, enfin les grivoises, ce qu'ils appellent le grivois, qui vous le paie un petit peu, enfin qui parle de choses d'amour qu'on a connu en France, c'est voilà, bon, après, je suis pas en train de dire que ça a la ou pas. Mais en tout cas, il y avait quelques ces choses-là, c'est des choses qui ont un poids. Surtout qu'on sait que la chanson, c'est que ça touche la Nechama. Et c'est quelque chose qui a vraiment, quand la chanson, même, quand bien même, la musique, elle est belle, des fois, la musique elle-même, elle est, quelque part avec une ambiance qui est, il y a des finesses dans la musique. Wow. Qui sont des fois même ce que je dis, c'est pour ça qu'il y a des gdolim, des fois même des chansons juifs, les grands amarim, ils disent non, il y a quelque chose derrière, ils te font la techno, je sais pas quoi derrière, parce que ce que je te dis, mais enfin je te parle pas d'aujourd'hui, je te parle des mizmorim de Shabbat, il y a certaines chansons qui sortent de grandes chansons arabes par exemple. après peut-être que ça a été en Kaltoum, tu vois, ça a subi une archara peut-être, hein, je sais pas, non mais après je suis pas sûr que exactement. Il y a marqué. Toi, tu rapportais, c'est que après, quand il sortait du Beth Midrash, il tombait de sa porte de philosophie. C'est différent. Voilà. Regarde. Ah, je crois que c'est Agmara qui rapporte. Non, c'est Agmara qui rapporte ça. Oui, c'est Agmara qui rapporte ici, Mechila. Agmara le dit tout de suite. Je pense que tu rapportes autre chose. Amroala, Valachem, on raconte sur Acher, Shaya, Omen, Mibet Amidrash, Arbe, Sfarim, Minim, Noshrim, Michiko. Lorsqu'il sortit du Bet Amidrash, il y avait plein de Sfarim, d'Apikorsout, qui tombaient. Il adorait la philosophie. Qui tombait de ses poches. Donc, il y a que lui-même, quelque part, même quand il était encore bien, hein, il y avait, quelque part, une quelque chose de mauvais. Shaal, Nimous Agardi, Rabbi Meir, Kol Amar, il a demandé Nimous Agardi, le tisserand, il a demandé à Rabbi Meir, Kol Amar, Denachit, Le Yora, Salik, laine que tu vas mettre dans le chaudron pour se faire teindre, elle va sortir coloriée. Finalement, ça veut dire quoi? Amarle, kolman de avenaki agav ime salik, kol de lo avenaki agav ime lo salik. Tout ce qui va. Tu vas demander, est-ce que la Torah, c'est comme n'importe quelle laine que tu mettrais dans le chaudron pour le teindre, bah, tu le mets dans le chaudron, bah, ça va sortir colorié. Est-ce que la Torah, c'est la même chose que dès que tu dis la Torah, ça doit normalement te purifier? Lui a dit, non, ça dépend si tu viens aussi avec un naki agav ime, ça veut dire que tu es proche, tu es propre toi-même de, initialement. C'est vrai que la Torah aussi, elle peut réparer. Mais c'est déjà autre chose. Kol de Amman David Naki Agavime Salik, celui qui a été propre de par sa mère. C'est-à-dire qui est une laine propre. Alors là, quand tu vas la mettre dans la teinture, elle va devenir propre, elle va être belle. Mais si la laine elle-même, elle n'est pas propre, elle est sale, alors là, t'as beau la colorier, elle va toujours y avoir ce défaut-là. Donc ça veut dire ici que quelque part, il faut qu'il y ait des scrouillottes pour pouvoir être zoché de la Torah. Que la Torah elle-même, elle te corrige, quoi, elle te protège. Rabbi Meir Akiva nous Yagma, Allah Beshalom. On revient sur Rabbi Akiva qui est sorti en paix. On va terminer sur ça, si on peut. Veyarad Beshalom, il est sorti en plein de Jagmar, la Vakatomer, sur lui, la Torah, elle te dit, Moshreni Acharecha Narutsa. Donc, j'ai été tiré après toi, et Narutsa, et j'ai couru. Veyafra Beakiva, Bikshu Malachachat, les Dorfo. Il voulait aussi, les Malachachat, s'en prendre à lui. Avakajbrou, il leur dit, Amar Loem, Akajbrou, Anichou, la Zakana, Zelse, Sevielara. Raoul, et Shtamesh Birvodi. Lui, il peut venir, Non, mais là, il s'est fait protéger par Akajbrou. C'est un peu, quelque part, c'est un peu injuste. Faut comprendre, t'as raison. Maïdarash, sur quel Rabbi Akiva, quel Dracha, il a pu savoir sur quel endroit il fallait faire attention et ne pas regarder. Parce que, on a vu que Ben Azaï, il a regardé, il s'est fait cramer. Et lui, Rabbi Akiva, on dirait qu'il savait ou ne pas regarder. Alors, nous dit, il avait des psukim, Amarabba Bachana, Amarabbi Yohanan, Ve Atam, Irive Vot Kodesh, Ot Uba Rivava Shelo. Il y a un signe dès qu'on arrive à l'approche de la Shrina, qui nous dit, voilà, à partir de là, jusque là. Donc, il a reconnu ce signe-là. Rabbi Abu Amar, Dagul Mervava, il y a comme Dougma Uba Rivava Shelo. Il y a aussi une Dougma, un signe qui va
te protéger, qui va te dire voilà jusqu'ici tu peux regarder. Rechak Ishamar, Hashem c'est pas quoi chez moi, Adon ou Batseva Shelo, il est le maître dans son armée, et donc on reconnaît, quand on, dès qu'on reconnaît l'armée d'Akadosh Baruch Hu, on sait que là il faudra plus regarder. Rabbi Chiya Bar Abaye, Amar Rabbi Yochanan, lo beruach Hashem, ve'achar haruach ra'ash, lo beruach Hashem, ve'achar ra'ash esh, lo be'esh Hashem, ve'achar ha'esh kol d'mama daka, ve'ine Hashem over. Donc il y a des préambules avant de voir la Shrina. Il y a le ruach, après le ruach, il y a le ra'ash, après le ra'ash, il y a le kol d'mama daka. Donc il savait qu'il y avait des préambules, et il connaissait ces préambules-là, jusqu'auquel il y avait un chrétien, c'est vrai qu'il a pu se protéger. Chazak ou Baruch ? Amiration, on reprend. Chazak ou Baruch ?